Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, découvrez chaque tracé avec des conseils et faites votre choix. Présentation des trajectoires sur le circuit de karting de Trets. La ligne droite vient se mettre sur la gauche de la piste et pas hésiter à aller sur la partie en béton pour faire le freinage et plonger à la corde. Voilà ici le dessin de la trajectoire qui montre bien comment freiner. Et deuxième virage ici. Vous passez à fond, il n'y a aucun souci. Bien se mettre à l'extérieur sur la gauche de la piste. Regardez loin pour anticiper le freinage. Donc freinez très fort, tournez tard, plongez à la corde, laissez aller le karting à l'extérieur. Ensuite, voilà la corde. On sort bien à l'extérieur. Là, on a une partie rapide sans importance. Et on va faire un léger freinage avant le premier gauche. Voilà ici. Et un autre freinage un peu plus important ici pour plonger à la corde. Et cette enfilade se passe de manière assez rapide. Donc voilà la corde. Accélérer le plus possible sans faire glisser le kart. Faire une ligne droite ici pour le freinage. Donc là on freine droit la corde. On laisse aller un peu le kart à l'extérieur. Et on passe le deuxième droite à fond. Et ici on a fini le tour. Voilà le tracé avec toutes les trajectoires que vous pouvez utiliser sur ce circuit. Comment faire un dépassement en karting? Eh bien, il faut l'anticiper et bien le préparer à l'avance. Voilà, donc ici, je le laisse un petit peu partir. J'accélère beaucoup plus tôt dans le premier virage et au deuxième, j'ai plus d'élan. Et là, je peux le doubler sans aucun problème et c'est imparable. Beau podium lors de la remise des prix, pas mal de matériel et puis un espace d'accueil aussi.